Hey, bonjour, vous êtes là, comment ça va? Et voilà le meilleur moyen de commencer ma journée, un bon café. D'ailleurs, c'est pas un secret, hein, tout le monde le sait, le café et moi, c'est une grande histoire d'amour. Alors, vous qui passez par ici, ben bonjour, vous êtes sur la chaîne des cousettes de Mamie Rachel, et Mamie Rachel, eh bien, c'est moi. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez petit pouce, commentaire, etc. Ça fait plaisir, ça valorise la chaîne, ça et ça donne un petit coup de pouce. Hein. Je le répète à chaque fois, c'est un peu, je vais pas trop vous embêter, mais vous connaissez le refrain. Donc aujourd'hui, je vous tourne cette petite vidéo. Je vais remonter là. Non, j'ai la tête coupée là, on dirait un. Hop, hop. Je suis là. Je vous tourne cette vidéo parce que c'est pour vous montrer rapidement là ce que j'ai cousu depuis le haut le tissu. Il y a quelques cousettes. Bon, j'ai fait plusieurs fois la même chose. Camille, j'ai commencé ses plantains. J'en ai déjà fait 3 sur les 5. Morgane, je lui ai aussi fait des plantains, sans compter. Enfin bon, bref, vous le verrez au fur et à mesure du déroulement de la vidéo. Donc là, je vais commencer tout de suite par ce que je porte. Voilà, je me recule un peu, vous la reconnaissez. C'est la blouse esquisse que j'ai fait. Qui est tiré dans le patron est tiré du livre des bobines paternes. Je crée ma garde-robe. Donc ça, c'est le patron qui est offert quand on achète le bouquin. Et bon, elle est super bien. Hein. Je l'ai déjà mis 2 ou 3 fois pour aller au boulot. On est à l'aise, il n'y a pas de problème. J'avais les poignées élastiques. Il va falloir que je les refasse parce que. J'ai serré un peu trop l'élastique et ça me marque et j'aime pas, je suis gênée. Mais ça, c'est pas grave, hein. On va rouvrir la manche et puis je rechange l'élastique, c'est pas un souci. Et ben voilà, donc ceci étant dit, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, le temps, il est bizarre. Ils avaient prévu plein soleil et en fait, c'est nuageux, c'est gris, il y a du vent. Le soleil a l'air de vouloir sortir et pointer le bout de son nez, donc j'espère qu'il viendra nous dire bonjour dans la journée. Bien, alors nous allons commencer par un plantain que j'ai transformé, hacké, je ne sais pas trop, transformé. J'ai pris la base du t-shirt et j'ai juste rallongé je ne vais pas dire de bêtises, une trentaine de centimètres et j'en ai fait une chemise de nuit. C'est une commande qu'on m'a passée. Et donc voilà. Hop, voyez. C'est la chemise de nuit. Donc c'est avec le jersey des danseuses. Bon, après le plantain, ça reste un inconditionnel. Des t-shirts, hein, il n'y a aucune difficulté. J'en ai déjà fait un petit vlog couture. Voilà. Donc ça, comme ça, maintenant, je vais le ramener, je vais pouvoir le donner parce que bon, là, j'ai 2, 3 trucs que j'aimerais envoyer, surtout à Camille, comme on va lui faire un petit colis là la semaine prochaine et puis je vais me dépêcher de lui terminer ses plantains pour que je puisse lui envoyer avec le colis. Donc là, voyez, là, il y a le bleu. Donc là, elle le voulait un peu. Camille fait une taille 42 et elle m'a dit, maman, fais-la un peu plus large pour que quand j'aille bosser, je sois à l'aise dedans, je puisse bouger. Donc là, je lui ai fait à chaque fois en taille 46. Donc là, il y a le bleu, le jersey bleu de Nîmes, style de Nîmes. Ensuite, je lui ai fait le rouge. Voilà. Toujours un pareil en taille 46. Alors, le rouge, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le rouge, il m'a pas laissé. Il m'a embêté. Il m'a embêté pour la couture. Vous voyez, il fait des plis. Je trouve que les surpiqûres sont pas top. Il m'a vraiment pas foutu la paix. Hein. Franchement, l'encolure, j'ai recommencé 2 fois pour tout vous dire. Mais bon. Donc après, comme je me suis dit que comme c'est pour aller bosser, si c'est pas tip top, hein, elle va aussi
ça va pas non plus déranger. Et le dernier que j'ai fait, donc je lui ai fait de lavande et je lui ai mis ma super, je sais pas si vous voyez, voilà ma petite étiquette, bye bye mamie Rachel. En parlant de ça, faut que je vous raconte un truc, j'étais morte de rire. J'étais au travail, c'était quand vendredi après-midi, vendredi ou lundi. J'avais repos ce week-end et du coup, j'ai ma fille qui m'envoie un message. Elle me dit, je suis morte de rire, donc Morgane hein, de Saint-Étienne. Elle me dit, maman, je suis morte de rire. Je dis, ben, je réponds, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Ruby voulait regarder un dessin animé, j'allume l'ordinateur, je lui mets YouTube sur l'ordi. Puis elle est allée préparer le cacao des petites pour le goûter, puis elle entendait, elle dit, j'entendais ta voix. Je dis, ah bon? Elle allait dans la chambre et en fait sur l'interface de YouTube, Ruby a trouvé une de mes vidéos et puis elle était devant et puis elle se dandinait devant le PC en disant c'est trop bien, ma mamie passe à la télé. Ah, ça m'a fait plaisir. Hein, elle était vraiment. Morgane m'a dit, elle était ravie. Hein, elle rigolait. Elle a dit, oh, des tissus. Elle a vu le tissu des lapins que j'ai acheté chez Bubu Tissu. Elle était toute folle. Donc là, je vous ai montré les trois tissus déjà que j'avais cousus. Donc il me reste là cette espèce de vert olive et ce bleu roi, bleu canard ou bleu. Donc ceux-là, ils vont être. Je vais les découper une fois que j'ai fait la vidéo. Et les coudre. Et puis comme ça, on peut envoyer le paquet. Et ensuite, j'ai fait pareil des plantains à Morgane. Donc là, j'avais un reste de ce petit tissu à dentelle que j'adorais, là où j'ai fait mon t-shirt Arsène. Et comme j'avais des problèmes avec la bande d'encolure, ben du coup. En fait, j'ai juste fait, sur celui-là, j'ai juste fait un repli. J'ai pas mis de bande d'encolure. Et je trouve que ça dénature pas l'encolure du plantain. Et ça fait en soi un joli petit t-shirt. Donc, cela, maintenant, c'est pour mon autre fille Morgane. Et je vais lui ramener, quand je vais à Saint-Étienne, dans un mois. Je pense partir le 24-25, on verra. Et là, c'est pareil, donc j'avais pris, ça c'est aussi un tissu que j'avais cousu, donc ça m'arrange parce que du coup, je peux passer mes chutes, mes restes de tissu en faisant des t-shirts à mes filles. Et j'ai dit à Morgane, ben du coup quand on viendra à Saint-Étienne, on sera coordonnés, on pourra faire des petits matchy-matchy mère-fille. Et bon, les tissus lui plaisent, hein, on est d'accord, donc c'est pour ça que je lui fais aussi. Donc là, il y en a un autre. Et à elle, je lui ai mis partout des petites étiquettes. J'ai fait ma crâneuse. Voilà, hein, les étiquettes de mamie Rachel. Ces fameuses étiquettes où je me suis plantée dans l'écriture. Bon, ça, c'est pas grave. Hein. On a l'habitude. Voilà. Et pour le moment, voilà le dernier. Bon, j'en ai encore deux ou trois en cours pour Morgane. Ça, c'est un jersey de viscose qui est très fluide. D'ailleurs, moi, j'ai mis là la semaine passée. Il y avait 2-3 jours, il faisait bien chaud. Eh ben, croyez-moi que c'était hyper agréable au boulot. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé les porter et puis ils sont chouettes. Là, j'en ai encore un des bleus. J'ai acheté du jersey uni bleu. Donc, je vais faire le corps en motif et les manches aussi en uni. Donc ça, c'est aussi des choses qui vont passer rapidement sous la machine à coudre. Maintenant, le reste des cousettes, c'est des shorts, des t-shirts, que j'ai fait pour les gamines. Donc là, j'avais acheté sur Makerist ce short Lise. Qui va du 80 au 176, difficulté 2/5. Pff, difficulté, moi j'en ai pas vu.
Hein, franchement, peut-être la ceinture élastiquée, le fait qu'il y ait des poches sur le côté. Mais en fait, il se coud en une demi-heure, c'est emballé, c'est épuisé. Donc là, pour Ruby, j'ai pris le reste du tissu danseuse. Voilà, j'en ai fait un petit short. Voilà, il y a les poches et ceinture élastiquée. Ruby, c'est en taille 6 ans. Et maintenant, ceux-là, là, j'ai fait les mêmes pour Gwenaël et Jade. Voilà, aussi avec des restes de tissu. Hein. Puis je me dis que quand les deux petites vont être ensemble, qu'elles vont aller jouer dehors, ben, écoutez, ça suffit largement. Donc là, j'en ai fait deux en jersey, jersey de coton. Et j'avais un reste de double gaze. Par contre, celui-là, je ne comprends pas. Voyez, autant là, l'élastique, il est un peu plus resserré. Par rapport. Alors que c'est le même modèle, la même taille. Et là, j'ai l'impression que. On verra. On verra quand elles seront là. Et puis sinon, tant pis. Hein, c'est pas grave. Pour Ruby, là, je veux encore en sortir quelques-uns comme ça. Je vais essayer de leur faire 4-5 shorts chacune. Donc ça fait. Là je fais, j'ai dit à Morgane, je fais pour Jade et Gwenaëlle. Et une fois que les deux petites sont là, qu'elles ont un peu leur un peu de cousette de mamie, je passerai, j'en ferai pour Ruby et Lily Rose. Voilà. Ensuite, dans la foulée, donc. Voilà, ça c'était le t-shirt que j'avais une des dernières commandes sur Mécurie. Là, les modèles que je vous présente, sauf un, sont de mécuriste.de. Donc, je vous mettrai le lien en bas. C'est le mini melonchen, petit melon. Voilà, en traduction. C'est un t-shirt qui me plaisait bien avec son petit détail là, son petit nœud dans le dos. Et c'était un matchy-matchy qu'on pouvait faire adulte et enfant. Alors, j'ai téléchargé aussi le patron adulte, mais là, il va falloir que je regarde parce que j'ai imprimé le patron hier après-midi. Et je me suis rendu compte que celui que j'ai imprimé, il allait du 46 au 54. Donc, je pense qu'il doit y avoir un autre patron avec les tailles inférieures. Donc, du coup, maintenant, je l'ai décalqué pour moi parce que je vais le faire pour moi. Mais je voudrais dans un des jerseys bleus fleuris que jersey à strip, je voulais en faire justement pour Morgane, Jade et Ruby, de manière à ce qu'elle puisse faire un matchy maman-enfant. Voilà, donc là, ça c'est, vous voyez, donc ça donne ça en fait. Ça c'est le devant. Voilà. Et c'est pas mal parce que je passe mes chutes là-dedans. Et voilà le dos. Alors, ça c'est le premier que j'ai fait. Bouger un petit peu et en fait le nœud, je sais pas ce qui s'est passé en cousant, il s'est un peu décalé. On va le mettre au milieu hein, que ça soit joli. Voilà, il y a un petit décalage. Bon, Gwenaëlle l'a déjà essayé. Dimanche, je l'ai emmenée au parc, j'ai joué au parc. Et une fois qu'ils sont séportés, ça se voit plus. Et elle était hyper à l'aise dedans. Elle a dit, c'est trop beau, mamie, j'adore. Bon, ben, j'étais contente. Donc j'ai fait celui-là. Ça c'est une chute de tissu que j'avais fait avec le renne, dont le premier t-shirt était un renne. Et si vous vous rappelez, c'est la première commande de chez Bubu que j'ai faite. Voilà. Et ce qui est pas mal, c'est que quand vous avez des tout petits morceaux de jersey, eh ben, vous pouvez les passer dans le flow. C'est pas mal. Et c'est un modèle, ben écoutez, quand je l'ai montré aux petites, hein, qui a fait l'unanimité, j'ai eu aucun. Tout le monde a bien aimé ce modèle. Alors, maintenant là, j'ai pris le reste de jersey que j'avais du t-shirt à Camille. Et je l'ai fait avec le jersey cœur. Voilà, j'ai fait un haut uni. Avec le jersey cœur et je leur ai assorti un petit pantacourt. Voilà, ça leur fait un petit ensemble. Je vais baisser. Donc on a le pantacourt et on a le t-shirt. Voilà.
ça fait un chouette petit ensemble. Parce que au départ, je voulais faire aussi le haut, en fait, dans le Jersey cœur. Puis je me suis dit, ouais, ça va faire trop... Enfin, je trouvais que c'était trop chargé. Alors du coup... Et inversement, parce que comme j'en ai encore du jersey comme ça, inversement, je ferai le t-shirt en jersey cœur et le pantacourt, je le ferai en uni. Ça fait... voilà, donc c'est le même. Hein, c'est le même modèle et je l'ai fait deux fois. Donc il y en a déjà là pour le moment, il y en a un pour Jade, un pour Gwenaël, et je vais, je les ai décalqués, parce qu'en fait c'est ça qui me prend le temps, Jade et Gwenaël ont la même taille, donc je fais du 8 ans, c'est voilà, mais Lily Rose fait du 10 ans et Ruby fait du 6 ans, et c'est, des fois ça me saoule, j'avoue que... Le fait de devoir redécalquer les tailles, ben des fois ça me prend la tête, j'avoue, franchement. Mais bon, je veux léser aucune des gamines, donc je le fais, hein, on est d'accord. Donc là, maintenant, je vous ai montré le legging. Et c'est un legging que j'ai acheté sur mecurisse.de. Et vous avez, voilà, taille short, taille short, taille bermuda, taille longue. Hein. Vous avez trois différentes sortes de tailles. Donc là, moi, je l'ai pris en bermuda, étant donné que j'ai un modèle short. C'est pas la peine qu'on refasse un deuxième short. Et donc, ça, c'est pour... je vous l'ai montré. Après, là, c'est facile. Hein. Vous avez quatre pièces, deux devant, deux dos. Vous assemblez la ceinture et basta. Emballé, c'est pesé. Et pour les gosses, ben, pour l'été, pour jouer, elles seront super à l'aise. Ça, c'est celui de Ruby. C'est le tissu lapin qu'elle a vu quand je passais, quand elle regardait ma vidéo. Et avec ce tissu, donc ça, c'est le short. Hein, j'ai fait la ceinture rouge. Enfin, short bermuda. Et du coup, je lui ai assorti... Le t-shirt sur lequel j'ai vraiment craqué en le regardant sur Instagram. Et c'est le Sandpiper de Beau Unlu. Alors en fait, ce qui était trop superbe, c'est ce petit détail de nœud dans le dos. Voilà. Donc, pour celles qui me suivent sur Insta, j'avais présenté Gwenaël avec le modèle, la toile que j'avais faite, qu'elle veut d'ailleurs garder, voilà, et qu'elle trouve trop de la balle. Nouvelle expression de ma petite fille, c'est trop de la balle, j'adore. Voilà, donc celui-là, c'est avec des chutes en jersey de viscose, il est beaucoup plus fluide. Et celui-là, c'est un jersey de coton. Mais, bah écoutez, voilà, regardez, puis derrière, il y a un petit empiècement qui fait style nœud, et les bretelles sont nouées. Alors, je vous dis pas, hein, j'ai quand même, il est superbe, hein, ce modèle, il est magnifique. Voilà, donc là, vous pouvez le faire avec une petite basque et en jupe. Alors là, vous avez voilà les photos, vous voyez. Là, c'est en jupe et un t-shirt. Moi, j'ai préféré le faire en t-shirt. Je voulais pas... personnellement, je trouvais que c'était mieux. Mais bon, après, ce n'est que... On est d'accord, ce n'est que mon avis. Mais j'ai quand même dû... sur les deux t-shirts que j'ai faits, je les ai recommencés quatre fois. les explications sont en anglais. Et en fait, avec le traducteur Google, c'était pas toujours évident de suivre les explications. Mais c'est bon, je pense que j'ai compris. J'ai compris le schmilblick. Voilà, donc là, on est ce que j'ai fait avec les cousettes enfants pour mes petites schnecks. Et j'ai hâte, voilà, j'ai hâte qu'elles viennent. Donc là, maintenant, je vais pouvoir un peu ranger tout mon barda. Je vais passer dans le legging. Je vais passer celui-là. Faire des petits leggings colorés. Ah oui, j'ai encore oublié. J'ai fait aussi un petit t-shirt Annie. Celui-là, je l'avais acheté l'année dernière, ce patron.
J'aimais bien son dos avec un empiècement doux nageur. Et j'avais fait celui-là. Voilà. Et là, je vais aussi leur en refaire. Et je me disais, parce que moi j'ai acheté aussi un ce jersey uni et faire un Bermuda avec cette couleur. Un Bermuda uni, je trouvais que ça pouvait être sympa. Donc vous voyez, j'ai plein de projets, j'ai pas de temps. L'autre fois, je disais à mon chef, je disais vivement la retraite. En espérant que. On arrive encore à travailler le jour où j'arrive à la retraite. Hein. Enfin, à travailler, à faire de la couture et pas avoir trop de problèmes. Eh bien, voilà. Pardon. J'ai terminé. Je vous ai présenté ce que j'avais à vous montrer. Donc, je vais mettre les liens des patrons dans la barre d'infos. Et voilà. On a tout dit. Je vous retrouve probablement la semaine prochaine. J'ai l'intention. De vous faire un petit vlog couture où je vais vous montrer comment coudre. Voilà, le t-shirt Melonchen, mais à taille adulte. Sur le coup, il y a eu un blanc là. Ah, écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!